français qui va opposer Steven Pinchard à Chip Brazal. Le premier des deux, Nakmoué, il est âgé de 24 ans, il mesure 1m73, 63 kg, 500 grammes à la pesée, 41 combats à son actif, 31 victoires dont 1 nul, 13 avant la limite. Mesdames et messieurs, nous venons tout droit de Brian, du Star Fair Muay Thai. On l'accueille comme se doit, Mister Steven Pinchard. Et oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois qu'il est ici au Luxembourg, sur le ring du Sport Muay Thai. Il nous vient du Star Fair Muay Thai, tout droit de Brion en France. Thank you.
Allez, Nakmo au centre. Te cueillir ici, ok. Il a vu que tu baisses un petit peu, tu négliges un peu ta garde, mais sinon tout le reste c'est très bien, d'accord. Quand tu viens chercher en bas, essaye d'insister un peu plus avec le tibia qu'avec le pied. Il va pas tenir, il va pas tenir. Tu verras, il va anticiper sur le blocage maintenant parce qu'il a mal. Donc des fois, viens chercher l'autre, d'accord. Tu viens avec un point, tu viens chercher de l'autre côté et après tu pourras remonter les jambes. Mais là, ton travail il est bien. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas mettre un petit peu plus de vitesse sur tes attaques. Prends bien ton temps, respire, tu veux un peu d'eau. Pas beaucoup en bas. Tu vois, il est lent. Sur ses attaques, il est prévisible. Mais il faut bien que tu fasses attention à lever. D'accord ? Son seul danger, c'est ici. Il n'a pas d'autre danger au corps à corps, t'as vu, il est un peu lourd, il te fatigue, donc tourne-le. À chaque fois, tu es bien placé, il avance une jambe. À chaque fois qu'il rentre au corps à corps, il avance une jambe. Essaye de voir la jambe et tu tombes tout de suite sur la jambe. Ok ? Donc là, il faut que tu travailles la même chose. Essaye d'insister un petit peu plus sur son intérieur, mais ici, attends. Donc travaille-le.
travail, continue tes enchaînements. Et quand tu fais tes enchaînements de points, termine toujours par une jambe. Que ça soit en bas, au middle, en haut, termine toujours sur la jambe, ok? Sur les contraintes. Deuxième reprise. Très bien, celui-là. On suit le game plan. Et monte-moi ta garde. Tu me resserres ça plus que ça. Il va te toucher en anglais, sinon. Quand tu rentres en anglais, derrière, faut que ça suive avec un coude. Et après, on rentre en femme. On l'a travaillé, alors sors-le. On va se fatiguer. Ok. Continue ton travail. Continue de le travailler. Tu vas lui voir la gueule de tous les côtés. Sors tes coudes. Il aime pas le bam. Il trouve la bonne position en femme. Travaille tes genoux, tes rotations. C'est ça. Exactement. Fais tes rondes. Détruis-le, ronde par ronde. C'est bien, Steven. Ça y est. Le cardio, il est au rendez-vous. Maintenant, t'as plus qu'à. D'accord. Il monte. On continue. Monte ta garde. Normalement, il va accélérer en place pour le faire le recul. C'est obligé. Il va refaire son enchaînement 3-4 coups. Il fait toujours pareil. Bloque-moi le look kick à la fin. Il fait toujours la même chose, tu bloques le kick. Sauveur, hors du ring. Back au centre.
Troisième reprise. Boxer. Ah, on est sur le table.
soit tout seul sur son table. À chaque fois, il fait des mecs. Sûr. Relâche pas, même si t'es touché, je veux pas que tu relâches la garde, tu as fait une vieille truc de merde. Mais oui, il faut que tu te dépasses, sinon tu recules, tu te dépasses, tu tournes. Reste pas la garde. Et quand t'es en danger, rentre en panne, pose-toi en panne. Essaye pas de le faire tomber, au contraire, pose-toi, prends le temps. Arrête les genoux, repositionne-toi, gagne du temps. Il y a un contre la place, tu sais, tu vois. Je vais bien. Quatrième reprise. Continue comme ça, ne te jette pas sur tes attaques. Ok, il est mort, il tient même plus debout. Il a plus de jus, il n'a plus rien. Tu vois, attention les contres. Juste que tu fasses attention à ses coudes. Lève bien ta main gauche.
ta main gauche elle va se coller. Si tu te touches en mauvaise, il tombe. Touche-moi. Non mais lui, bien, Jim, si tu le touches en mauvaise, il tombe. Okay, prends pas de mauvais coups. Dès que tu le touches, tu le lâches pas. C'est le dernier round, tu t'es entraîné pour, tu tiens. C'est 3 minutes, c'est quoi 3 minutes? Ah, t'es fractionné, ça ne sert pas à rien. Maintenant, tu t'en mets grave, d'accord? Ok, t'es un guerrier. 3 minutes, c'est rien du tout, tu le manges. Ah, t'es bien là. Super bien. T'as tout ce qu'il faut pour accélérer. C'est quoi, j'agère ou j'accélère? Non, accélère là. Ok. Accélère, mais intelligemment. Voilà. Intelligemment. D'accord, faut accélérer, mais reste bien à ta distance. Tu rentres ou tu sors. Tu rentres, tu sors. Lui, son seul truc qu'il va essayer de te faire, c'est rentrer ses coudes. Son coude droit, il va essayer de te le rentrer. D'accord. Donc tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Pas avec les poings. Continue à sortir avec les jambes. D'accord. Néglige pas le travail en bas. Parce qu'il a mal. Hein. Au premier round, tu lui as fait mal en bas. Continue à travailler, ok. Casse ses appuis. Tu le désorientes. Travaille en bas. Quand tu veux. Ouais. Ah, attends, mais il y a la voisine. Vas-y, je vais regarder. Toi, tu peux la bloquer. Ok, donc tu fais. Fais des rentrées intelligentes. Lève la tête, lève ta main gauche. C'est pas le bon combat, mesdames et messieurs. Vous aurez assuré.
bravo. Quel combat, retournement de situation, c'était assez rare, bravo, et de Nakwe. Dans quelques instants, la décision. Et je vais appeler un représentant de Cristal Saumur pour remettre la récompense. Un représentant de Cristal Saumur pour la récompense. Pour Super Fight. Allez, mesdames et messieurs, la décision est déclarée vainqueur de ce combat, le coin bleu du Casal. Bravo Simone, quelle résistance, bravo, encore une fois.